OK, on est de retour dans la voiture. On se promène. On est rendu au coin de McGill College et Sainte-Catherine. Les amis, heureux de vous retrouver. C'est toujours le 27 mars. Et c'est 9h37 maintenant. Donc, ça vous donne une idée. Les trois brasseurs fermés. Enoteca Pizza fermée. Il n'y a personne. Vous voyez? La ville est complètement, le centre-ville de Montréal, complètement vide. Je voulais vous donner ce feeling-là, hein, parce que c'est pas tout le monde qui va avoir la chance de venir à Montréal. Ben, moi, c'est ma première visite depuis le confinement. Là. On était à la maison, comme je vous disais, on s'ennuyait royalement. Donc, il n'y a pas de voiture, il n'y a aucune voiture. Ben, c'est vraiment quelques voitures, là, mais c'est vraiment fantôme. Five Guys au chômage. Tout le monde est au chômage. C'est assez délabré par ici déjà. Hein? C'est quand même un coin, le centre-ville de Montréal, avec une administration naturellement incompétente, corrompue et communiste depuis Jean Doré. C'est vraiment une ville qui est... Moi qui suis né à Montréal, moi qui ai grandi à Montréal, j'ai pu voir vraiment la débandade de Montréal avec l'élite québécoise, le Deep State québécois, avec Québécois en tête, détruire ce fleuron qui était Montréal. Hein? C'était la ville la ville dominante du Canada jusqu'à ce que le Deep State québécois prenne le contrôle de notre province. Ici, on est au coin de... Union, ce fameux square Union, complètement vide. Incroyable, hallucinant. La baie, complètement fermée, vide, totalement. Burger King, fermé. Tout est fermé, c'est d'une tristesse à mourir. Hein? Il n'y a personne, pas une âme. Et il n'est pas 3h du matin, chers amis, il est 9h30, vendredi soir. On a la belle cathédrale Saint-Patrick ici, qui est illuminé, mais naturellement vide. Alors, tout est vide, il n'y a pas une âme. Sauf un brave en chaise roulante qu'on va peut-être croiser. Vraiment, hein, les boys, c'est, comment vous trouvez ça, une ville, un centre-ville d'une ville quand même grande, complètement vide, c'est hallucinant, non? Mm-hmm. Toi, ça te fait rire? Bon, les gars, ils sont contents parce qu'ils aiment ça venir à Montréal, mais surtout quand c'est tranquille, on peut voir ce brave qui se promène en chaise roulante ici. S'il tombe, j'ai pas rigolé. Ben non, voyons, faut être gentil. Il faut avoir une âme et un cœur. C'est une femme, ouais. Ah, c'est une femme? Non, c'est un gars. Soyez gentil, les gars. Franchement, c'est... Moi, c'est juste que c'est vraiment pas cool. Hein? Complètement désert. On arrive à la place des arts. Place des Arts, complètement désert, un vendredi. Il n'y a rien, pas une âme. Ben, quelques braves qui se promènent, mais vraiment, taxi vide. C'est rare qu'on voit ça, un taxi vide. Un taxi vide, Montréal. Sans clients. Habituellement, on les attend, les taxis, on les cherche. Et là, c'est vide, complètement vide. Vas-y pas trop vite avec le téléphone pour qu'il puisse bien voir. Mm-hmm. On va se diriger vers Saint-Laurent. On va aller voir de quoi ça a l'air. Saint-Laurent, le Vieux-Montréal peut-être aussi. Les gars, vous voulez aller dans le Vieux-Montréal? Je savais pas que ça existait. Ben, le Vieux-Port et tout ça. Là. On se demande pourquoi on attend le feu vert alors qu'il n'y a pas un champ. Alors ici, à votre droite, on a la place Ville-Marie bientôt. Hein? Le Bâton Rouge, fermé. J'ai travaillé à ce restaurant-là. La Cage, fermée. La place des Arts, il n'y a rien. Tout est désert. Une ville fantôme. McDonald's, un McDonald's. Et il est fermé.